Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Urgent suspense. R.L. Stine. What's inside the Goosebumps family album? A slappy and sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth a thousand screams. Does that scare you? Experience on Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour parler des objets du plus léger. Au plus lourd. Donc nous voici sur la vidéo des objets, comme vous l'aurez compris avec cette petite intro, qu'on va parler des objets les plus légers au plus lourd. Donc on va voir un petit peu, en gros je vais faire des petites étapes, je vais voir les objets qui pèsent quelques grammes, jusqu'à des objets qui pèsent une dizaine de grammes, une centaine de grammes, jusqu'à quasiment 1 kg pour certains objets, donc c'est vraiment des objets qui pèsent, qui sont lourds. Alors je parle pas bien sûr, tout ceci ça inclut vraiment, je vais pas tout porter, mais il y a des choses qui incluent bien sûr, des produits extrêmement lourds que je vous montrerai en photo seulement, pour éviter que je me fasse mal, ce serait pas le moment de se faire mal. Donc, on va commencer par les objets super légers. C'est parti. Les exemples d'objets super légers, on a le pins que vous avez pu voir en intro, on a les petites cartes, avec les petites cartes en 3D. On a aussi tout ce qui va être les petits jetons, qui sont des produits aussi officiels, que je peux vous montrer. Voilà pour les objets qui pèsent juste quelques grammes, c'est vraiment des petits objets qui sont souvent justement petits et assez légers, donc pour jouer sur Goosebumps. Ensuite on va avoir des objets qui pèsent quelques grammes, donc on va être sur tout ce qui est figurines. Donc par exemple on va prendre ceci, donc une figurine comme ceci, on va avoir des petites lampes comme ceci qui pèsent un petit peu plus lourd, par exemple ceci qui est un couteau Goosebumps. Donc on va avoir tout ce qui est petite figurine, on va avoir aussi ce qui est, on va avoir tout ce qui est aussi portefeuille. Donc voilà, celui-là il n'est pas très bien rempli en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, il n'est pas très bien rempli. Non, voilà, les petites choses comme ceci, donc ils sont un petit peu plus un petit peu plus lourds, donc les figurines. Ensuite on va passer des objets encore un petit peu plus lourds, donc des objets qui pèsent 10, 20, 30 grammes au maximum. On va avoir du coup tout ce qui est plus grandes figurines comme ça, des lampes qui vont peser 30 grammes au moins, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez voir celui-là. Donc ce sont des objets qui sont beaucoup plus lourds que ça. Donc voilà. Ce sont des objets qui vont souvent avoir, de temps en temps, qui vont avoir aussi des piles, donc qui vont encore alourdir leur poids. On a aussi, par exemple, ce petit jeu de cartes aussi, qui est aussi lourd à peu près, même peut-être un petit peu plus lourd que ça. Donc voilà, qui est aussi un produit très sympathique. Ensuite, on va avoir tout ce qui est objet en plastique, donc un petit peu plus gros que vous voyez ici, qui contient souvent des choses, du slime ou quoi, et qui sont un petit peu, voilà, plus lourdes que les produits précédents qui sont par exemple comme ceci. Donc ça c'est un petit peu plus lourd, hop, vous voyez, hop, c'est bon si je fais ma main comme ça. Donc voilà, ça va être tout ce qui est les figurines comme ceci, ou comme
ou comme celle-ci, voilà, qui sont aussi des objets qui vont peser à peu près une cinquantaine de grammes, voire 80 grammes pour ces objets-là. Donc ce sont des objets qui sont plus lourds et plus gros, bien sûr. Donc on a aussi dans cette même catégorie, par exemple, cette horloge-là qui va aussi, qui est déjà un petit peu plus lourde que ceci. Donc ça, c'est plutôt 120 grammes. Donc c'est des objets qui sont un petit peu plus lourds, qui sont pas forcément plus gros, mais qui sont un petit peu plus lourds. Donc voilà. Ensuite, on a des objets qui sont un petit peu plus lourds. Donc avec, par exemple, ce taille crayon-là, ou alors l'African Face. Qu'on peut voir là, ou le kit, donc ce sont des objets qui font plutôt dans les 120 150 grammes, qui sont voilà, très très sympathiques. Hop, vous pouvez le retirer et lui remettre le petit crayon. Donc voilà, ce sont des objets qui sont plus lourds que ça. Donc voilà, ce sont voilà, des objets qui font pratiquement 200 grammes, donc ça commence quand même à peser. Donc ensuite on va passer à dans la même, du coup on a ces objets là. Peut-être celui-là il est un petit peu plus léger que le truc, mais il doit faire à peu près 150 grammes lui aussi. Donc c'est un objet aussi qui commence à être beaucoup plus lourd que par exemple l'alarme clock. Donc vous voyez, c'est bon, il est plus lourd, je vous confirme. qui commencent vraiment à être super lourds. Ça c'est vraiment entre 350 400 grammes. Je vous mettrai bien sûr, là vous voyez le petit heure qui est en train de fonctionner, donc qui sont vraiment entre 350 et 400 grammes, au même titre que par exemple ceci, qui sont au même titre que la Pinch The Roar Clock, ou alors des présentoirs qui sont, peuvent être vides. Donc ça va être un petit peu plus à peu près le même poids sur ces objets là. Donc voilà, pour ça, ça commence déjà à être vraiment lourd. Donc ensuite on va passer du coup aux objets qui vont être vraiment quasiment les plus lourds. Donc on va avoir bien sûr tout ce qui va être Monster. Tout ce qui va être les Monster Headmaker, donc sans le masque hanté bien sûr, mais les Monster Headmaker qui font à peu près 800 grammes, entre 700 et 800 grammes. Donc là on approche du kilo. C'est vraiment des objets qui commencent vraiment à être lourds. D'ailleurs je vais le poser là, qui commencent à être lourds. On a ça, on peut avoir les chaussures bien sûr, tout ce qui va être les chaussures, ça va être des objets aussi qui vont faire 600 700 grammes facilement. Donc ce sont des objets qui commencent à peser lourd. Oh, regardez, il a perdu une oreille. Voilà, bon, elle est remise. Donc voilà, ce sont des objets à peu près qui pèsent dans les 700-800 grammes, au même titre que les chaussures. Ensuite, on a donc qui pèsent encore plus lourd. Ça va être ici le logo. Donc le logo qui doit faire à peu près 1 kg, 1 kg 5. Dans mes souvenirs c'était 1,5 kg, voire peut-être plus, voire peut-être même le double. Donc il est vraiment super lourd. C'est un objet qu'il faut faire très attention. Il fait partie des objets les plus lourds, au même titre que celui-ci qui doit faire à peu près le même poids que là. Et celui-là il est beaucoup plus lourd, il doit faire plus d'un kilo. Donc 1 kg, il faudra que je me souvienne du poids exact que je vous mettrai bien sûr dans la vidéo, mais il fait certainement 1,5 kg. Ensuite on va finir par les objets les plus lourds, les objets qui vous cassent le dos, qui vous cassent en deux. Ça va être les présentoirs, et surtout le présentoir donc de Curly, qui va être le présentoir qui va faire à peu près la même taille que ça, que cet objet là, ou le même poids que cet objet là. Et on a l'objet qui est certainement l'objet le plus lourd, au même titre que certainement la poupée doll, donc Tristan Studio. Mais l'objet que je vais vous parler, ça va être l'objet qui va peser le plus lourd, ça va être le présentoir Pepsi Mountain Dew, qui doit peser vraiment 3 kg.
voire 4 kilos, qui est vraiment aussi lourd sur cette montre que celui-ci, parce qu'en fait, il est, derrière, il est vraiment massif. Il est, bon, il est en carton, mais il est vraiment quand même massif. Il pèse super lourd. Donc, c'est vraiment un objet qui est difficile à transporter et qui est surtout volumineux, mais surtout, il est aussi lourd en termes de poids. Donc voilà, c'est vraiment, on a tout type d'objets, donc on passe vraiment, je vous mettrai, je vais essayer de vous faire un petit peu une chronologie des objets, des plus légers aux plus lourds, pour que vous voyez avec d'autres objets, pour que vous voyez un petit peu où on se situe à peu près au niveau du poids. Donc, si ça vous a plu, j'espère que vous allez voir tous ces objets-là qui sont très très lourds, pas en termes de théoriquement, mais qui sont très très lourds physiquement, réellement. Donc voilà, je vous laisse sur la petite vidéo que j'ai préparée pour vous. Donc voilà, vous avez vu les objets les plus légers aux plus lourds. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je fais la multiplication pour les soulever? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est lourd, hein. Quand il faut tout ça, il faudra que je transporte un jour. Il faut faire du sport, parce que c'est pas en soulevant des petits objets, il faut soulever des objets comme ceci, regardez. Ah, il est lourd, il est vraiment lourd. Je vais le reposer. Ah mon dos. Explore a whipping Goosebumps adventure this one.